Le réaliste, lui, ce qu'il propose, c'est de l'adaptation, tout simplement. D'accord, ajustez les voiles. Je publie chaque jour depuis 3 ans sur une plateforme qui s'appelle managersanté.com et LinkedIn la phrase inspirante du jour. Et il se trouve qu'aujourd'hui, mais franchement, je n'y suis pour rien, voici la phrase du jour que j'ai publiée sur les réseaux sociaux qui impacte des milliers de personnes. C'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. Auteur inconnu, mais je m'en fiche. Le plus important, c'est le sens donné au propos. Ça veut dire que même si vous êtes aide-soignant, que vous avez le sentiment que le propos que vous tenez n'est peut-être pas forcément à la hauteur, mais ça c'est votre ressenti à vous, mais si la pertinence du propos a toute sa valeur, elle mérite d'être dite, d'être partagée. Je ne connais pas l'auteur de cette phrase, j'ai mesuré la pertinence du propos, je la partage. Merci de votre attention. Pour les personnes qui souhaitent avoir accès à l'article brillantissime écrit par le directeur des soins, il suffit simplement d'écrire managersanté.com sur le site internet, vous mettez votre adresse mail et vous accédez gratuitement à l'un des plus de 300 articles. Il y en a un qui s'appelle « Aide-soignant, plaidoyer pour une reconnaissance et l'expression de la gratitude ». Un article formidable, il fait 11 pages, mais ce n'est pas grave. C'est le caractère formidable du contenu qui relève toute une réflexion autour de l'éthique, d'accord ? Donc c'est totalement gratuit, vous y avez accès, et je vous invite, si vous avez la culture du partage, si vous souhaitez échanger avec vos collègues, eh bien, vous le lisez et vous le partagez. Merci de votre attention.